Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir Nabila Yikama depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, je viens de l'annoncer sur en fait mon profil Facebook, en fait le thème d'information que j'ai. Alors, c'est sur Alpha Condé, vous venez de suivre hein, autant que moi, Alpha Condé qui actuellement en fait reçoit le président congolais, plutôt angolais, à Conakry, qui est là depuis le jeudi. Hier, cher compatriote guinéen. Et là, vous le savez très bien, Alpha Condé, chaque fois qu'il y a des visites comme ça en Guinée, alors il a le complexe, à tout moment il a le complexe, c'est-à-dire quand un chef d'État étranger se rend à Conakry, vous savez, Conakry est délabré, Conakry, c'est, écoutez, ce n'est pas l'image d'une ville, n'est-ce pas? Nous le connaissons, ça nous le savons tous. Alors Alpha Condé, il a le complexe, et pour essayer de se décomplexer, qu'est-ce qu'il fait? Alors, comme il avait fait avec le président turc, la même chose. Alors, face au président angolais, bon, écoutez, il veut toujours apporter des argumentations pour que la Guinée est ainsi, pourquoi Conakry est délabré, ou pourquoi nous sommes en retard, pourquoi nous ne sommes pas développés. C'est-à-dire, il est préoccupé par cela, le complexe d'infériorité. N'est-ce pas? Je me demande, d'où vient ce monsieur? N'est-ce pas? Mais c'est clair, c'est une réalité. Nous sommes en retard, c'est pas seulement, disons, au Conakry, c'est pas seulement la Guinée, hein, l'Afrique en général. Nos villes ne sont pas ainsi. N'est-ce pas? Ça, nous savons cela. Mais Alpha Condé, il a toujours le complexe. Alors, quand un président vient, écoutez, on ne lui demande pas, mais lui, il doit donner des explications pourquoi nous sommes ainsi, pourquoi Conakry est sale, pourquoi Conakry n'est pas développée, pourquoi la Guinée n'est pas développée. N'est-ce pas? Très bien. Alors voilà ce qui se passe. D'ailleurs, nous, on se demande, mais écoutez, tant de complexes. Alors, s'il faut dire à chaque fois qu'un président se rend à Conakry, disons, à expliquer pourquoi nous sommes ainsi, mais pourquoi ne pas se battre pour et finalement éliminer ce complexe-là, ce qui crée ce complexe. Conakry est délabré, Conakry n'est pas une ville, alors il faut se battre pour que Conakry soit propre. Ainsi, quand un autre président étranger viendra en Guinée, comme ça, il sera tranquille. Il se mettra pas à tout moment pour raconter des trucs franchement incompréhensibles. Hein? Pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous sommes ici? N'est-ce pas? Se battre, n'est-ce pas? Que Conakry soit propre, que Conakry ait l'image d'une ville. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Très bien. Alors, mais qu'est-ce qu'il raconte Alpha Condé? Ce sanguinaire Alpha Condé, c'est vrai? Alors, avec la présence du président congolais, plutôt angolais à Conakry. Alors, toujours avec le même complexe, alors il dit, je cite, logiquement, notre pays aurait dû être la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il a déjà en tête, même si le président angolais ne dit rien, mais déjà, il se met à la place donc du Congolais, dans la tête donc du président angolais. Écoutez, il est en train de juger la Guinée. Et Alpha Condé, tout de suite, il se dégage en disant, bon, écoutez, nous sommes ainsi parce que. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, logiquement, notre pays aurait dû être la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas? Mais la cause, il explique. Il dit, d'abord, depuis la Première République avec Sékou Touré, après notre indépendance, disons en 1958, Sékou Touré aurait pu développer la Guinée. Hein? Il dit que Sékou Touré aurait pu développer la Guinée, mais qu'est-ce qui a empêché cela? Il dit, bon, c'est la France avec De Gaulle. N'est-ce pas? Le nom de la Guinée à De Gaulle a poussé la France, n'est-ce pas, à mettre les bâtons dans les roues, empêchant Sékou Touré de travailler. Tant de complots pendant 26 ans, avec tant de complots que Sékou Touré n'a pas pu travailler. C'est incroyable, hein? Alors, moi, la question que je vais poser à Alpha Condé ici, au temps de Sékou Touré, pendant les 26 ans de Sékou Touré, période pendant laquelle il accuse De Gaulle, il accuse la France, où était-il, lui, Alpha Condé? N'est-ce pas? Il était en France, n'est-ce pas? Pendant ce temps, il était en France, le pays qu'il accuse d'avoir en fait empêché la Guinée de se développer, d'avoir empêché Sékou Touré de développer la Guinée. Où était-il? Il était en ce moment en France. Et que faisait-il? Il était opposé à Sékou Touré. Alors on se pose autre question, mais pourquoi était-il, Alpha Condé, opposé à Sékou Touré? Pourquoi était-il opposé à Sékou Touré? Si la France, De Gaulle, donc, a permis ou a poussé la Guinée, disons, à être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire non développée, ou que De Gaulle a empêché Sékou Touré de développer la Guinée, d'accord, mais alors Alpha Condé aussi a participé à cela, a empêché Sékou Touré de développer la Guinée, parce qu'il était opposé à Sékou Touré, opposé à la dictature de Sékou Touré. La dictature ne peut pas développer un pays, n'est-ce pas? Alors, mais ça, franchement, pensez un peu, ce monsieur qui se dit être Sorbonne,
venu en fait avoir passé par la Sorbonne, l'université Sorbonne. Voyez-vous comment il raisonne? C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, je repose la question. Il dit que De Gaulle a empêché Sékou Touré de développer la Guinée, n'est-ce pas? Et ce qui n'est pas vrai. Ensuite, alors nous, on se pose la question, mais où était-il Alpha Condé en ce moment-là, pendant que De Gaulle empêchait la Guinée de se développer? Pendant qu'il y avait tant de complots en Guinée empêchant, selon lui, la Guinée de se développer. Où était-il Alpha Condé? Et qui faisait-il? Il était en France. Et que faisait-il opposé à Sékou Touré, à la dictature de Sékou Touré? N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, il dit non, Sékou Touré aurait pu développer la Guinée sans les différents complots. Mais les différents complots, c'était pourquoi? Parce qu'il y avait une dictature, n'est-ce pas? Et parce que lui-même, Alpha Condé, il était opposant. Et lui-même, Alpha Condé, condamné à mort par Sékou Touré, par contumace, par Sékou Touré. Et pourquoi Sékou Touré l'avait-il condamné ainsi? Condamné à mort, mais c'était grave, n'est-ce pas? Sékou Touré l'aurait tué aussi si jamais il se rendait en Guinée. Alpha Condé. Très bien. Alors, ça, c'était dans la Première République. Il le dit. Dans la Deuxième République, là, il est face au président angolais, avec le complexé qu'il est. Alors, il faut donc apporter des argumentations pour dire, écoutez, notre ville est ça. Écoutez, c'est la faute donc de Gaulle pendant la Première République. Mais dans la Deuxième République, avec l'Ansana Conté, qu'est-ce qu'Alpha Condé apporte? Il dit, l'Ansana Conté, il dit que lui, c'est un militaire. Il dit, dans la deuxième république, on ne s'est pas développé parce que l'Ansana Conté, c'est un militaire. Hein? Que l'Ansana Conté, d'ailleurs, avait dit, écoutez, moi, je m'occupe de la sécurité du pays. Vous, les cadres, les ministres, occupez-vous du développement de la Guinée. C'est Alpha Condé, ce monsieur qui se dit Sorbonne. Alpha Condé était un analphabète. Je vous dis, hein, il y a deux formes d'analphabètes. Il y a les analphabètes qui sont jamais allés à l'école, qui ne savent pas lire ni écrire, mais il y a d'autres analphabètes qui se disent intellectuels, qui se disent avoir des diplômes ou avoir étudié, mais qui ne savent absolument rien, qui ne maîtrisent rien. C'est Alpha Condé, c'est son cas. N'est-ce pas? Il dit que là, ça n'a compte, il dit qu'il était militaire, qu'il était militaire, alors que, en fait, là, ça n'a compte, il a dit très clairement dès le départ. Lui, il est militaire, un paysan, alors lui s'occupe tout simplement de la sécurité du pays. Alors le développement, ça c'est au ministre. Je pose la question à Alpha Condé, ce sanguinaire. Alors, dans quelle constitution Alpha Condé est-il noté, mentionné qu'un président doit, un président de la République, un chef de l'État doit s'occuper seulement de la sécurité du pays et non du développement? Dans quelle constitution qu'Alpha Condé me mentionne cette constitution guinéenne? Il dit qu'un président, un chef d'État, quand il arrive au pouvoir, il doit s'occuper seulement de la sécurité et non du développement du pays. Alpha Condé. N'est-ce pas? Si l'Ansana Conté dit qu'il est militaire, n'est-ce pas? Il s'occupe de la sécurité, donc il est militaire, il dit par là que, écoutez, il ne sait rien de la politique, c'est ce qu'il veut dire, il ne maîtrise rien, parce qu'Alpha Condé même dit, il dit que l'Ansana Conté ne maîtrise pas les éléments économiques, la théorie économique, que c'est un simple militaire, c'est Alpha Condé qui le dit. Mais si l'Ansana Conté savait cela, pourquoi s'était-il manifesté pour occuper la place, donc, disons, le fauteuil présidentiel? Pour quelle raison? N'est-ce pas? Et pendant 24 ans, pour quelle raison? S'il sait qu'en tant que militaire, il ne maîtrise rien comme économie, comme politique, rien, pourquoi rester là, dans le fauteuil, pendant 24 ans? Pour quelle raison? N'est-ce pas? À qui la faute? L'Ansana Conté dans ce cas. Et Alpha Condé dit par là, non, l'Ansana Conté c'était un militaire, c'est pas sa faute, il ne maîtrisait rien comme économie. Alors, le développement, il a confié ça à ses ministres, à ses cadres. Alors, si la Guinée ne s'est pas développée, la faute donc à ses cadres, à ses ministres. Donc, sous-entendu, il veut en fait attaquer ici, c'est dans le dialogue. Et s'il y a tout, d'avoir en fait agenouillé l'économie guinéenne. Vous voyez Alpha Condé? Il accuse donc Sédiane Diallo, les cadres, Sidya Touré et tant d'autres cadres des ministres, autant de l'Ansana Conté, d'avoir agenouillé l'économie guinéenne. L'Ansana Conté, non. Il dit l'Ansana Conté, c'était un militaire. L'Ansana Conté devait s'occuper en fait de la sécurité et non du développement. Dans quelle constitution est-il écrit qu'un président de la République doit s'occuper seulement de la sécurité et non du développement du pays? Alpha Condé est un analphabète. Très bien. Alors, il continue Alpha Condé. Je crois que là, c'est que moi je vais le dire. Maintenant, nous sommes maintenant avec Alpha Condé, disons la Troisième République. Allons-y ainsi. Quand lui est arrivé en 2010, n'est-ce pas? Alors, le pays n'est pas développé. 10 ans, 11 ans maintenant, il est là. Le pays n'est pas développé. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute, Alpha Condé? Si pendant la Première République, il accuse De Gaulle, il accuse les différents complots politiques contre Sékou Touré, Deuxième République, il accuse les cadres, les cadres, les ministres, donc de l'Ansana Conté. Non, l'Ansana Conté. Alors lui, son temps, 10 ans maintenant, il est au pouvoir. À qui la faute si la Guinée n'est pas développée? Alpha Condé.
À qui la faute? N'est-ce pas? Ça, c'est quoi encore? C'est les cadres aussi, les ministres, ou bien c'est encore la France, une main invisible d'un pays étranger, si la Guinée n'est pas développée. Là, nous avons tous la réponse, chers compatriotes guinéens. Si au temps de Sékou Touré, ça n'a pas marché, écoutez, il y a eu l'indépendance, il y a eu effectivement ces différents complots organisés ou soutenus par la France, parce qu'effectivement, il y avait une dictature, c'est clair. Mais écoutez, on a pas mal de pays qui ont connu la dictature, qui ont été colonisés, alors par la France, je crois l'Indochine, ou même la Chine, pas mal de pays, mais qui aujourd'hui sont des pays développés. Ces pays-là n'accusent pas la France. N'est-ce pas? N'accusent pas la France. Seuls les paresseux accusent les autres. Seuls les paresseux ne veulent pas admettre leurs erreurs. La faute toujours, c'est dans l'autre camp. N'est-ce pas? Avec la dictature, on ne peut pas. C'est que j'aurais, écoutez, c'était l'autoritarisme. Et avec cette doctrine que Sékou Touré avait, comment pouvait-il développer la Guinée? C'était le socialisme. Ça peut pas. Tous les pays qui ont appliqué le socialisme, qu'est-ce qui s'est-il passé? Finalement, le socialisme a explosé et nous sommes tous actuellement sur la voie du capitalisme. C'est clair, même la Chine. La Chine, on dit socialiste. Alors la Chine, écoutez, vous voyez comment le chef est nommé, n'est-ce pas? Alors c'est le comité révolutionnaire socialiste qui se retrouve, on nomme le président. Mais la Chine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment le pays se développe? C'est avec l'économie libérale. L'économie libérale, même la Chine. Aucun pays, regardez Cuba, ça ne peut pas aller. Donc, avec ce système, cette doctrine socialiste, Sékou Touré ne pouvait en aucun cas développer la Guinée. Jamais. Et là, ça n'a compté, non plus pouvait développer la Guinée. N'est-ce pas? Parce que, écoutez, c'est l'autoritarisme. C'est l'autoritarisme, la démocratie à la façade. N'est-ce pas? De la dictature, on ne pouvait pas. Et maintenant, avec Alpha Condé, et puis ça ne tourne pas. Alpha Condé n'a absolument rien fait, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que, écoutez, alors, c'est la dictature aussi. Hein? Il est là depuis qu'il est là, c'est la théorie, c'est de parler, c'est des promesses, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est dit, bon, écoutez, je suis avec une population, en fait, analphabète à 80%. Juste tromper, ce n'est pas pour travailler, pas pour développer. Et c'est Daniel Diallo l'a très bien dit, Alpha Condé, 10 ans au pouvoir, 10 ans, il a brillé. En fait, dans la division de la société guinéenne et non dans la réconciliation des Guinéens. Voilà, chers compatriotes guinéens, c'était cela. Je ne vais pas être long. Alors, c'est une autre bêtise donc du dictateur Alpha Condé. Je vous le dis bien, ce monsieur ne connaît absolument rien. Alors, c'est une adresse également que je lance à l'armée guinéenne, les intellectuels partout dans l'armée guinéenne. Vous avez suivi ce discours de Alpha Condé, s'il vous plaît. C'est un autre motif principal pour le faire dégager, chers compatriotes guinéens.